l'embouchure du plus grand fleuve français, au milieu du port de Saint-Nazaire, se dressent sous 3,5 hectares de béton brut, 14 alvéoles destinées à protéger des sous-marins en guerre. C'est avec Brest, Lorient, La Rochelle et Bordeaux, une des 5 bases construites par les Allemands sur le littoral atlantique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dans sa version finale, celle de Saint-Nazaire fait 300 mètres de long, 120 mètres de profondeur, 18 mètres de hauteur, avec une dalle supérieure atteignant par endroits 8,85 m d'épaisseur, soit 480 000 m3 de béton. Elle est la seule érigée en centre-ville. Elle est la deuxième par sa taille après celle de Lorient, mais elle constitue le bloc le plus important construit d'un seul tenant. Les bases sont vraiment aujourd'hui, de par leur masse, de par leur indestructibilité, des lieux majeurs où on peut comprendre jusqu'à quel point la folie ou la logique totalitaire peut aller dans l'expression de ses objectifs les plus démesurés. À partir de ces bases, les U-boats vont livrer pendant plus de 2 ans dans l'Atlantique une bataille qui aurait pu donner la victoire à l'Allemagne. En ce début de conflit, les sous-marins sont très vulnérables aux attaques aériennes quand ils rentrent au port. Pour donner à ces U-boats toute leur efficacité, la Kriegsmarine, la marine de guerre allemande, leur construit des bases aux dimensions du conflit qui s'annonce. Ces murs racontent une histoire où se mêlent humanité et barbarie. À la fin des années 30, Saint-Nazaire est la tête de ligne transatlantique pour l'Amérique du Sud. À 1000 km de là, Hitler fascine le peuple allemand et prépare la guerre. Le 10 mai 1940, les panzers du général Guderian passent à l'attaque et traversent les Ardennes. L'armée française, qui passe pour la première du monde, s'effondre en 20 jours. Toutes les puissances militaires doivent improviser de nouvelles stratégies. Le 17 juin 1940, le maréchal Pétain demande l'armistice. Le lendemain, à la radio de Londres, un certain général de Gaulle explique que parmi les facteurs de la victoire à venir sur l'Allemagne, il y a l'Empire britannique qui tient la mer et peut utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. L'amiral Karl Dönitz, commandant en chef des sous-marins allemands, fait la même analyse. Le sort de la guerre se jouera d'abord dans la capacité de l'Allemagne à empêcher l'industrie américaine de soutenir l'effort de guerre anglais. Karl Dönitz connaît parfaitement l'efficacité des sous-marins. En mars 1918, il avait été nommé commandant de l'U-boat UC-25, puis de l'U-boat 68, avec lesquels il coulera 17 bateaux en quelques mois. Les U-boats, les sous-marins allemands qu'il dirige en ce début de la Deuxième Guerre mondiale, sont pratiquement identiques à celui qu'il commandait pendant la Grande Guerre. En septembre 1940, Dönitz souhaite disposer de 300 sous-marins, mais la Kriegsmarine n'en possède que 57, autant que la flotte anglaise. Les Allemands n'auront de cesse que d'étendre et de consolider la base sous-marine de Saint-Nazaire pendant plus de 3 ans, au rythme d'un conflit de plus en plus sanglant. Le Troisième Reich joue sur la puissance militaire et l'asservissement. Et ce qui frappe beaucoup dans un bâtiment comme les bases, c'est d'une part leur adaptation aux rails, et ces rails qui conduisent d'un côté aux bases littorales, de l'autre au camp de la mort, et à tous les moyens de production associés et à tous les moyens de coercition et de spoliation qui permettent de construire ces édifices et qui, par leur présence, garantissent aussi la pérennité d'un régime qui, pendant ce temps-là, va asservir et exterminer ses opposants déclarés.
La construction de la base débute en février 1941. Ça représentait surtout du travail. C'était surtout ça. Tout le monde travaillait à la base sous-marine. Et c'était normal d'ailleurs, puisqu'il n'y avait pas d'autres employeurs. Ils ont commencé par le carré de la Transat. Vous savez où c'est que le carré de la Transat, c'est où c'est que la base sous-marine maintenant. Mais avant la guerre, c'est ce qu'à Saint-Nazaire, on appelait le carré de la Transat. C'est là où c'est que venaient accoster les paquebots qui desservaient l'Amérique du Sud. Ils ont nettoyé tous les quais qui étaient autour, ils ont tout supprimé. Ils ont isolé le carré de la Transat avec des ronds de pales planches qu'ils ont remplis de sable de façon à leur donner de la stabilité. Ils ont pompé, ils ont asséché tout le carré de la Transat. Tout ça, c'est devenu... C'est vrai qu'on a vu le fond du bassin. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à construire. Alors ça a été évidemment de la construction métallique. Et puis par là-dessus, ils ont commencé à couler leur béton. Tag und Nacht ist ein Heer von OT-Männern eingesetzt. Die mächtigen Kolosse aus Stahl und Eisenbeton wachsen in außerordentlich kurzer Arbeitszeit aus dem Boden. Das Eisenflechtwerk für eine Bunkerwand. Verschalung für den Betonguss. Ein Bunkersystem vor der Vollendung. Es wird bald eine neu in Dienst gestellte U-Boot-Flottille aufnehmen. La construction de la base est confiée à l'organisation TOD, une organisation autonome originale, à la fois militaire et civile, chargée de tous les travaux immobiliers nécessaires à la Wehrmacht, l'armée allemande. Elle emploiera en France jusqu'à 400 000 personnes. Elle porte le nom de son chef, Fritz Todd, jeune aviateur pendant la Première Guerre mondiale et membre du Parti national-socialiste. L'Allemagne lui doit la construction avant la guerre des 7000 km d'autoroute que les nazis appelaient une œuvre d'art totale. Il est aussi le maître d'œuvre de la ligne Siegfried, l'équivalent de notre ligne Maginot sur la frontière franco-allemande. L'organisation Todd n'embauchait pas les Français. L'organisation Todd est une organisation paramilitaire allemande. Bon, mais ces gens qui travaillaient avec l'organisation Todd étaient allemands. Et s'il y avait des gens qui étaient d'autres pays, bon, ils étaient entrés dans l'organisation. Puisque les Todd étaient des militaires, en ce sens qu'ils étaient quand même armés. Sur le travail, ils venaient toujours sans armes, mais dans leur camp, ils étaient armés. Pour édifier un ensemble de cette taille en aussi peu de temps, les Allemands mettent au point une organisation impressionnante, à la fois souple et rigoureuse. Ils mettent fin à tous les travaux publics dans le département et ordonnent à l'administration française de lui fournir une main-d'œuvre qualifiée. Certains ouvriers sont embauchés directement par des entreprises allemandes. On était, en somme, employés par une firme allemande. Par une firme allemande, parce qu'Hermann Möller, c'était une grosse maison de construction de bâtiments là-bas en Allemagne, quoi, un gros chantier, quoi. Et il avait pris ça. Et oui, c'est... Je m'étais jamais posé la question d'où venait l'argent. Enfin, on savait bien d'où venait l'argent, c'était la nôtre. D'autres ouvriers, environ 1500, sont embauchés par des entreprises françaises. Toutes les entreprises, aussi bien bâtiments, tout le monde était réquisitionné pour les Allemands. Alors, si bien que je suis rentré dans une entreprise qui s'appelait Brooks, pour la firme, comment on appelle, l'organisation Todd. J'ai trouvé de l'embauche à l'entreprise Rousseau, qui, elle, faisait l'aérodrome à Montoire-de-Bretagne. Et bon, bah, j'étais comme manœuvre, mais ça fait rien, ça faisait un petit salaire. Et après, j'étais envoyé à Triac à décharger les wagons de ferraille. C'était des wagons de 32 tonnes, on était 4 par wagon à décharger ça. Ah ben dis donc. Ah, c'était de la culture physique. Hein. Et ça grouillait de monde. Mais alors, c'était quelque chose de formidable, la densité de gars qui travaillaient ici. Ben, ça coulait jour et nuit. Hein. Alors la nuit, tout était éclairé avec des lampes, mais avec bleues. On était taillé avec Corvéable à Bercy, quoi. Une équipe ici, une équipe là, on faisait pas mal de boulot, on changeait d'outillage, en l'occurrence de la pelle à la pioche. On était partout, quoi. Quand ils avaient besoin de nous, comme là, l'homme, un jour on était là, on l'emmenait ailleurs.
Par contre, on pouvait manger. Alors, il y avait des camions qui s'amenaient avec le ratin là, dans des bidons. Nix et Seine, hein, on n'avait pas beaucoup de boue avec ce qu'ils nous donnaient. Hein. Plus souvent des rutabaga, des patates, des choux-fleurs pourris, des... enfin tout. Tout et tout. Quoi. Vous aviez peut-être des gens qui sont venus soi-disant volontaires, mais ils étaient volontaires comme on était tous volontaires pour ne pas crever de faim. Quoi. C'était quand même une collaboration forcée. Quoi. Si on appelle ça de la collaboration, moi je veux bien. Hein. Mais c'était forcé, il fallait bien travailler. Le bruit disait que les Allemands, enfin l'Allemagne, était pour 1000 ans en l'occupation de l'Europe, pour ainsi dire. On n'y a pas rendu. Hein. En juin 1941, les alvéoles 6, 7 et 8 sont terminées après seulement 4 mois de travaux. Le 30 juin 1941, Todd remet les clés de la base à Dönitz. L'U-203 entre le premier dans l'alvéole 7, faisant de Saint-Nazaire la première base opérationnelle de la Kriegsmarine. Angriff auf feindliche Panzer! Depuis le 22 juin, la Wehrmacht déferle à travers les plaines russes. C'est l'opération Barbarossa qui va mobiliser la plus grande partie des ressources militaires allemandes et que Goebbels, le ministre de la propagande allemande, présente comme une promenade de santé. Devant les travaux de construction de la base, les habitants de Saint-Nazaire se posent bien des questions. À ce moment-là, on ne comprenait pas pourquoi, au plein soleil, en pleine vue, tout le temps, hein, sans rien se cacher, les Allemands travaillaient et que les Anglais venaient pas. La logistique de la Royal Air Force et du Bomber Command n'avait pas des appareils qui étaient suffisamment efficaces pour pouvoir attaquer ces bases. Ces avions étaient des bombardiers bimoteurs, ayant un rayon d'action qui était relativement limité. En plus de ça, les bombes qui sortaient des fabriques de 1939 à 1941 étaient de, disons, légères, puisqu'elles faisaient 44 kilos, et les plus lourdes étaient de 1100 kilos. L'aviation alliée aurait très bien pu, à mon avis, intervenir bien avant en bombardant ces bases, ces bunkers, au moment où ils étaient en construction. Cette question se pose d'autant plus que des résistants français avaient donné aux Anglais des informations sur la base. Parmi eux, Hugo Mingui. Les fils de M. Chanel, architecte de Saint-Nazaire, Jacques ou Gilbert, je ne me souviens plus du nom exact, sont venus un jour à la maison et m'ont dit « Veux-tu... Est-ce que ça pourrait intéresser les plans de la base sous-marine ? » Alors, je leur ai dit, oui, apportez quand même les plans de la base sous-marine, on ne sait jamais, je n'avais pas d'idée à ce moment-là. Et ils m'ont apporté ce qui s'appelle des bleus. Il y avait tous les plans, j'ai pris le train et j'ai passé la ligne de débarcation, la première fois. Je suis arrivé à Marseille, et j'ai vu deux messieurs qui étaient là, bien bon chic, bon genre. Et ils m'ont dit, oui, ça peut nous intéresser, ça. Mais ce qui nous intéresserait surtout, c'est de savoir, dans cette future base sous-marine, la composition de béton, du ciment, du sable. Je n'y connaissais rien du tout, hein, moi. Et... Je dis, ah bon, ben, je vais poser la question. Et il m'a dit, vous pourrez nous donner une réponse. Je dis, oui. Il suffit simplement de retourner en zone occupée et puis de repasser avec les renseignements en zone non occupée. Alors, en 40-41, je suis passé 7 fois à la ligne de démarcation. C'est plus de l'inconscience, c'est de l'habitude à partir de ce moment-là.
Winston Churchill, qui était le grand patron de toutes les opérations, n'était pas du tout enclin à bombarder les bases. Il était très axé sur les sous-marins en cours de navigation. Au haut commandement allié, manifestement, ces bases sous-marines ne les intéressaient pas. Il pensait que ces bases seraient de toute façon détruites le moment venu. Ils concentraient tous leurs efforts vers l'Allemagne, c'est-à-dire les usines de construction, les chantiers navals, etc. Et peu leur importaient les bases sous-marines de l'Atlantique. Les U-boats partent à l'assaut des convois alliés, soutenus par une propagande virulente. In einem Stützpunkt unserer Unterseeboote am Atlantik. Das Unterseeboot des Kapitänleutnant Topp. Allein auf dieser Fahrt versenkte Kapitänleutnant Topp 7 Frachter und erhöhte damit seine Versenkungsziffer auf 208.000 Bruttoregistertonnen. In Würdigung dieser Leistung verlieh ihm der Führer das Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Churchill écrira dans ses mémoires: Nous ne pouvions jamais oublier que tout dépendait de l'issue de ce combat. En mars 1941, alors que les grands navires de surface allemands connaissent malgré leur puissance de feu des échecs répétés, l'amiral Dönitz met au point les attaques par meute. Le sous-marin plonge avec rapidité. L'équipage doit se retenir pour ne pas tomber. Ces attaques réjouissent fort le gouvernement de Vichy et Radio Paris. Les premiers buts sont atteints. Pendant ce temps, à la faveur du crépuscule, les autres sous-marins, alertés par l'état-major, forçant de vitesse, se placent sur la route du convoi. Ils se mettent en plongée et c'est l'attaque simultanée et massive des navires ennemis. Le trajet de la torpille est calculé au chronomètre. Si le navire est touché, on doit entendre l'explosion au bout d'un nombre déterminé de secondes. De juillet 1941 à janvier 1942, sont construites les alvéoles 9 à 14 qui peuvent accueillir deux sous-marins chacune. Ils appartiennent aux flottilles 6 et 7 affectées à Saint-Nazaire. Plus de 3000 ouvriers sont requis dans le cadre du travail forcé. Alors, il y avait un brassage de citoyens. Là. Vous aviez énormément de Belges, de Wallons, de Flamands, de Belges qui avaient été comme ça dans leur pays, amenés pour travailler sur Saint-Nazaire. Ils n'étaient pas toujours d'accord, hein, mais ils n'étaient pas déportés comme des prisonniers. Mais ils étaient déportés pour le travail. Les Arabes qui travaillaient étaient au camp de plaisance. Hein, et ils étaient commandés par des officiers, par des Arabes, habillés en officiers allemands. Ils portaient le costume des officiers allemands. Puis vient le tour des républicains espagnols que les Allemands, et même parfois la Gestapo, ont été cherchés dans les camps du sud-ouest de la France où ils étaient internés. Ils nous ont amenés à Saint-Nazaire. Et à l'arrivée à Saint-Nazaire, hein, ils ont arrêté que c'était les camps là, entre Méan et Montois de Bretagne. C'était une intermédiaire de cette ville, petite ville, parce que c'était petite ville. Ils nous ont arrêtés et moi, je regarde comme ça, normal, il y avait une affiche qui disait « Lager Franco ». Moi, j'ai dit « Oh non, là, 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 on tombe avec les franquistes en Allemagne ». Non, 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 il était l'organisation toute. Eux étaient vraiment contraints par les Allemands de travailler pour eux. Et ces gens-là travaillaient vraiment dans la poussière. Il y a eu certainement chez eux beaucoup de gens qui sont tombés malades, qui en sont peut-être même morts, d'avoir fait ce travail-là. Oui, ça, moi, je l'ai constaté, je l'ai vu. Ces conditions de travail suscitent des protestations au sein même des organismes français. Ainsi, l'Association professionnelle mixte des travaux publics écrit pour s'en plaindre au préfet de Nantes.
Sur le chantier, des ouvriers résistent comme ils peuvent. Et un jour, bon, on a fait un accord de ne pas travailler personne. On a dit on ne se lève pas. Alors, ça y est, un bar, un boum, qu'on passe le matin, il dit « Austin !» Il faisait comme ça, comme si personne ne s'allait. Oh là là. Bon, ça vient la police, ça vient un colonel SS, méchant comme tout, au commencement, après rigoler. Et il dit, il faudra me fusiller quelques-uns pour la discipline et le cachet de travailler. Et on a demandé la parole, quelques-uns, et d'autres aussi, et cela. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? On voulait que nous payions. Il dit, on vous paye et on vous garde l'argent pour la fin de la guerre. Non, il faut donner l'argent tout le temps. Il nous avait dit qu'il nous donnerait 6 francs l'heure, si on travaillait bien. Bon, il a été vrai après. Vous avez remarqué la bosse sous-marine, là, au pied, là, le long des murs. Vous voyez la ferraille qui sort partout, là. Ben, c'est à cause de ça, les coffrages. Puis c'est du travail bâclé, quelquefois. Du travail bâclé, vite fait, et le dos tourné, et hop, le bout de ferraille, on l'attachait, foutait dedans, comme ça. Fallait pas être pris. Autrement, c'était sabotage. Vous savez, c'était difficile quand même pour eux de saboter, c'est le cas de le dire. Parce que s'ils avaient été découverts, les autres avaient des moyens de les faire parler. On l'a su après. Hein. Oui, je pense qu'il y a des gars qu'on n'a jamais revus, qui ont été emballés, c'est de m'en dire, avec perte et fracas, et qu'on n'a jamais revus. Et je pense qu'ils sont partis là-bas. Le 7 décembre 1941, le maréchal Keitel, chef de l'état-major de la Wehrmacht, signe le décret Nacht und Nebel. Il organise la disparition administrative complète des opposants à l'occupation allemande. Une fois arrêtés, ils sont mis au secret absolu et la plupart sont contraints à des travaux destinés à les faire mourir d'épuisement. Ce même 7 décembre 1941, le Japon attaque les États-Unis à Pearl Harbor. Deux jours plus tard, Hitler leur déclare la guerre. Le 5 février 1942, Fritz Todt disparaît. Obsèque nationale du général Todt, ministre du Reich, qui a trouvé la mort dans un accident d'avion sur le front de l'Est, alors qu'il accomplissait les devoirs de sa charge. Certains historiens pensent que l'accident a été provoqué par Himmler, avec l'accord au moins tacite d'Hitler. En effet, dès novembre 1941, Todt était venu expliquer au Führer que la Wehrmacht perdrait la guerre contre l'Union soviétique. Il fait néanmoins l'objet de funérailles nationales. Fritz Todt est remplacé par Albert Speer, architecte des principaux bâtiments nazis. Il est l'un des collaborateurs favoris d'Hitler, qui le nomme ministre de l'armement. L'Allemagne consacre à partir de 1942 un effort industriel important pour construire un très grand nombre de sous-marins. Sur le plan économique, l'efficacité de la guerre sous-marine dépend des ressources que les belligérants peuvent lui consacrer. Quand les Allemands ont dépensé l'équivalent de $100 pour fabriquer un sous-marin, les Alliés doivent en dépenser 1000 pour fabriquer à nouveau le matériel coulé. Die Luft ist rein. Auftauchen. Fin mars 1942. Les U-Boot incendient des pétroliers américains dans le golfe du Mexique. Bei seiner Rückkehr erzählte Kapitänleutnant Topp: Wir haben den Amerikanern diesmal einen Fackelzug von brennenden Tankern gebracht. Le 31 mars, Alan Brooke, le chef d'état-major anglais, écrit dans son journal: Au cours de la dernière quinzaine, j'ai eu pour la première fois depuis le début de la guerre la conviction croissante que nous allons perdre cette guerre si nous ne la dirigeons pas d'une manière très différente. Et si nous ne nous battons pas avec plus de résolution? Les alvéoles 1 à 5 sont construites de février à juin 1942. Le premier toit de la base, qui recouvre l'ensemble des 14 alvéoles, fait 3,50 m d'épaisseur et résiste à des bombes d'une tonne. Le 27 mars 1942,
le premier convoi de 1148 juifs français arrive à Auschwitz. Ce même 27 mars 1942, les Anglais signent à Saint-Nazaire un véritable fait d'armes, l'opération Chariot. Un commando de 600 hommes a une première mission, envoyer un destroyer bourré d'explosifs, le Campbellton, détruire la forme Joubert, la seule sur la côte atlantique qui peut accueillir pour des réparations les grands navires allemands comme le Tirpitz. Et une deuxième mission, investir le port afin de neutraliser les accès de la base aux U-boat. Eh ben, ça sifflait, hein. Il fallait être complètement dingue, parce que, en réalité, il y a eu une alerte aérienne. Hein. Alors les Allemands, on les entendait tous gueuler, Flieger à l'arme, Flieger à l'arme, Flieger à l'arme, alarme, bon, les avions. Les gens étaient attirés là-haut, et pendant ce temps-là, il y avait le Campbelltown qui passait en bas, avec la flottille de vedettes lance-torpilles, il y en avait une douzaine ou 14, je ne me souviens plus du nombre. Il a foncé tout ce qu'il savait, l'étrave avait été taillée, il est passé par-dessus les deux filets d'acier et il est allé s'enfoncer dans la porte sud de la forme Louis Joubert. Dieser alte amerikanische Zerstörer sollte das Schleusentor von Saint-Nazaire aufsprengen. Er fuhr unter dieser deutschen Flagge. Sie ist allerdings englisches Fabrikat. Die Gefangenen werden abgeführt. Das Abenteuer der Briten hat ein unrühmliches Ende gefunden. Pendant que les Allemands font prisonnier les survivants du commando, le Campbellton, encastré dans la forme Joubert, est sur le point d'exploser. J'avais été me loger entre la station de pompage et le mur, là, et il y avait le Campbellton qui était à 10 mètres, là, à ma chaise. J'ai fait des photos que j'ai transmises après aux British. Et là, je suis rentré après à la sous-préfecture parce que j'avais rendez-vous avec une des secrétaires du sous-préfet. Quand on a entendu cette horrible explosion, mais alors, tout tremblait dans Saint-Nazaire. Le résultat de cette opération est tout à fait paradoxal. La cale Joubert est inutilisable pour toute la durée de la guerre, mais le Tirpitz ne viendra jamais à Saint-Nazaire, les Anglais réussissant à l'immobiliser définitivement en Norvège. En revanche, le commando ne parvient pas à neutraliser tous les accès à la base qui restent en fonction. Cet exploit coûte au commando anglais 169 tués et 200 prisonniers. La conséquence inattendue de l'opération Chariot fut d'entamer la réputation d'invulnérabilité de la Wehrmacht que la propagande cherche avant tout à préserver. Les Allemands, ils ont ils ont eu peur, hein, ça vraiment. Le sourire était béat et épanoui des Français. Il n'y avait pas besoin de leur poser de questions. Hein. Ils pensaient que c'était le débarquement. Conséquence de l'opération Chariot, Hitler ordonne à Dönitz de déménager dans l'intérieur des terres son centre de commandement basé à Lorient. En juillet 1942, la base est totalement opérationnelle. Elle est prête à accueillir 20 sous-marins à la fois. Les U-boats coulent le plus fort tonnage mensuel de toute la guerre, 760 000 tonnes, soit à peu près 140 navires. Das Unterseeboot des Kapitänleutnant Topp kehrt von erfolgreicher Feindfahrt gegen die USA zurück. Kapitänleutnant Topp versenkte mit seinem Boot bisher 208.000 Tonnen feindlichen Schiffsraumes. Auf seiner letzten Fahrt schickte er allein 7 feindliche Handelsschiffe, darunter 5 vollbeladene Tanker auf dem Meeresgrund. Il y avait une compagnie là, de flonflon, de musique allemande, qui jouait, et tous les marins étaient alignés en rondognon sur les sous-marins qui rentraient d'opération. Et on allait voir la rentrée des sous-marins allemands. C'était mieux qu'au cinéma, hein. Ils nous interdisaient pas de regarder, hein.
Ils ne nous convoquaient pas pour y aller, non. Mais ils ne nous interdisaient pas de regarder. Les sous-mariniers sont de véritables héros de la Kriegsmarine. Ils sont littéralement chouchoutés quand ils arrivent au port. Ils consacrent leurs escales à faire la fête, notamment à la boule. Ils peuvent même se permettre d'écouter des orchestres de jazz. Monsieur Jan Kanke, qui navigua comme infirmier dans la 6e flottille basée à Saint-Nazaire, raconte. C'était la folie. C'était la folie parce que les gars, ils savaient, à partir de moment-là, ils savaient qu'ils ne viennent pas. Là, tout était permis. On s'est souillé la gueule, on faisait tout ce qu'on voulait, mais des hommes et des gars, ils savaient très bien. C'est la dernière sortie, après c'est fini. C'était bien à nous, on était à part, on avait, comme je vous dis déjà, on avait beaucoup d'avantages, et on était un peu fiers aussi, on peut dire on était fiers, pas à la fin, hein, au début, de faire partie d'une unité spéciale, une unité vraiment à la hauteur, au sommet de la marine. Pour ces techniciens de haut niveau, ces privilèges ne sont que la contrepartie d'une réalité simple. Dans un sous-marin, il n'y a pas de blessés. On revient ou on y reste. La paix au ventre, même si on ne montre pas la paix, mais la paix existe. La paix existe toujours. On peut avoir des cauchemars encore 20 ans après. Am Unterwasserhorchgerät. Die Schraubengeräusche des Bewachers kommen immer näher. Der Kommandant hört mit. Der Bewacher überläuft das Boot. Äußerste Ruhe. Wasserbomben. On était soudés, un bloc. On pouvait compter sur tout l'équipage. Quoi qu'il arrive, tout le monde était là. Ces très jeunes hommes, tous des volontaires, furent parmi les combattants les plus efficaces de l'armée allemande, bien que leur engagement ne soit pas porté par le fanatisme national-socialiste. Dans notre unité à nous, dans la 6e flottille, jamais connu ni entendu parler qu'il y avait des commissaires politiques. Notre vocation à nous, c'était de naviguer et tout ce qui est autour du nazisme, on ignorait totalement. Ou certains voulaient ignorer. On n'a jamais salué les nazis, on a toujours salué comme des vrais militaires. De juin 1942 à juin 1943, la base ne connaît pas de nouvelle extension. Les Allemands construisent simplement l'annexe nord, constituée de logements pour les ouvriers et d'une tour de défense placée à l'arrière du bâtiment principal. Ils continuent d'en aménager l'intérieur. Les murs du fond des alvéoles et des deux interboxes portent encore la trace des bureaux, magasins et ateliers qui en faisaient une petite usine autonome. Si la base ne connaît pas de grands bouleversements, autour d'elle, en revanche, vient le temps des affrontements décisifs. Du 17 au 24 janvier 1943, lors de la conférence de Casablanca, Franklin Roosevelt, le président des États-Unis, annonce l'objectif. La capitulation sans condition de la Wehrmacht. Stupéfaits, certains chefs militaires alliés comprennent que cela ne se fera pas sans un bain de sang. Les Américains et les Anglais qui ont débarqué en Afrique du Nord depuis 2 mois mettent au point la stratégie dont ils attendent la victoire. Vaincre les U-boats et intensifier de la manière la plus forte les bombardements des villes allemandes. Hitler donne lui aussi la priorité aux U-boats. Le 31 janvier 1943, il nomme Dönitz grand amiral de toute la Kriegsmarine. Homme de devoir, Dönitz restera toujours fasciné par son Führer. Le 31 janvier 1943, le maréchal Paulus capitule à Stalingrad.
la Wehrmacht perd 1 500 000 hommes et les soviétiques 1 100 000 plus 100 000 civils. En mars 1943, les U-boat coulent encore 627 000 tonnes de navires marchands. Pendant tout ce temps, les Alliés ne cessent d'intensifier les bombardements des villes de Saint-Nazaire comme de Lorient. Un bombardement massif comme ça, ça nous a surpris. Et puis ça nous a choqué quand même un petit peu. Disons la vérité, ça nous a choqué quand même un petit peu de la façon de voir comment que ça se passait. Nous, on avait pensé que ça aurait été justement bien ciblé. Non, ils arrivaient, bon ben, on était au-dessus de Saint-Nazaire, on larguait tout ensemble et puis on n'en parlait plus. En novembre 1942, les B-17 et B-24 américains effectuent 5 bombardements. Celui du 9 novembre cause la mort de 190 nazériens, dont 134 apprentis des chantiers navals de Pinouette. Allez, j'étais une fois du côté de l'église de Saint-Nazaire, là. Oh là là, j'entends le machin. On me dit, tiens, la base était pas très loin, quoi. L'entrée de la base était pas très loin. Ben, j'ai foncé pour aller me mettre à l'abri à la base, ça, j'y suis rentré. Pas comme je voulais, mais j'y suis rentré. Bon, allez, par le souffle de la bombe qui était tombée plus loin. Dans la nuit du 28 février au 1er mars 1943, 439 appareils anglais larguent pour la première fois des bombes incendiaires au phosphore. Suivent les bombardements des 2 et 3 avril 1943. Finalement, Saint-Nazaire est détruite à 85%. Ces bombardements n'affectent en rien la base, car il s'agit pour les Anglais de dévaster la totalité du territoire où se trouvent les ressources dont dépendent les opérations des U-boats. Les sous-marins ennemis viennent d'être repérés dans une direction à une profondeur soigneusement déterminée. Ils sont attaqués à l'aide de bombes sous-marines explosant à une grande profondeur. On remarque les vibrations se propageant dans un rayon de plusieurs centaines de mètres. En mai 1943, la situation bascule en quelques semaines dans l'Atlantique. Alors que pour toute l'année 1942, la Kriegsmarine n'avait perdu que 32 U-boats, les Allemands en perdent 41 pour le seul mois de mai 1943. Un submersible a été touché. Une véritable nappe d'huile s'étend sur la surface de la mer. On voit le carburant venir à fleur d'eau. Le tonnage coulé par les U-boats descend à moins de 300 000 tonnes, puis tombe à moins de 100 000 après juillet 1943. Il s'agit bien de mazout. Les Alliés gagnent la bataille tactique grâce à la parfaite synchronisation de leurs opérations aéronavales mises au point en décembre 1942 par l'amiral Max Horton, un ancien sous-marinier. Plus encore, les Alliés gagnent la bataille technologique. En particulier, ils décryptent définitivement les messages de la fameuse machine Enigma, la machine à coder des Allemands. Celle-ci, portable, est répandue dans toute la Wehrmacht. La Kriegsmarine possède sa version la plus efficace, l'Enigma 4. Elle peut, grâce à un système de rotor, créer des milliards de combinaisons différentes chaque fois qu'une lettre est frappée sur son clavier. Jamais les Allemands n'imagineront que leurs messages puissent être décryptés. Après l'opération Chariot, Dönitz regroupe son centre de télécommunication dans un bunker relié par un souterrain au château de Pignerolles, près d'Angers. Le centre de décryptage des Anglais est installé aux environs de Londres, dans le château de Bletchley. Près de 3000 personnes, dont 200 mathématiciens, y travaillent. C'est là, en avril 1943, qu'ils parviennent au terme de nombreuses péripéties à casser définitivement les codes Enigma. Ils doivent beaucoup cette réussite essentielle à un mathématicien, Alan Turing. Ce dernier met au point une machine baptisée Colossus, un ancêtre de l'ordinateur, assez puissant pour faire à temps les innombrables calculs nécessaires. En 1952,
Dans l'ignorance générale et l'indifférence des autorités anglaises, Alan Turing est condamné à la castration chimique à cause de son homosexualité. Il se suicidera en 1954. En juin 1943, alors que la bataille de l'Atlantique est perdue pour la Kriegsmarine, les Allemands renforcent le toit de la base par une nouvelle dalle de 1,70 m de haut sur 95% du bâtiment. En août 1943, une dernière structure est installée sur le toit de la base. C'est le système Van Grost, des chambres d'explosion destinées à détourner le souffle des nouvelles bombes anglaises de 5 tonnes 4, appelées Tall Boys, et celles de 10 tonnes, appelées Grand Slam. Mais aucune ne sera lancée sur la base de Saint-Nazaire. Celle-ci, avec son toit qui atteint par endroits 8,75 m d'épaisseur, se dresse désormais monolithique, inutile et indestructible, tandis que la Wehrmacht et l'Allemagne hitlérienne se disloquent. Le 5 juillet 1943 débute dans les plaines de Koursk la plus grande bataille de chars de l'histoire. 2700 chars allemands affrontent 3600 chars russes. Le 16 juillet, la Wehrmacht est battue, perdant la quasi-totalité de ses indispensables panzers. Elle ne cessera plus de reculer devant le rouleau compresseur soviétique. Dönitz doit se résoudre à continuer une guerre qu'il s'est perdue. Les équipages sont sans cesse modifiés dans les sous-marins, de sorte que les hommes ignorent les pertes réelles. À partir de mai 1943, les chances de survivre pour un sous-marinier allemand ne dépassent guère 3 sorties, soit une espérance de vie d'environ 62 jours. Sur toute la guerre, 27 000 sur 39 000 sous-mariniers sont morts. 34 000 marins, alliés ou neutres, ont péri dans l'Atlantique. En juin 1944, les 440 U-boats restants sont incapables de s'opposer au débarquement allié. Seules une quarantaine sont encore en état de naviguer. En août, la 7e flottille quitte Saint-Nazaire pour la Norvège et la 6e est dissoute. Les U-boats partis et la Wehrmacht acculée à une défaite inévitable, l'histoire militaire de la base ne va pas s'arrêter pour autant. Elle va connaître une ultime métamorphose dans un épilogue qui confine à l'absurde. Le 18 septembre 1944, les Alliés, au prix de combats très durs, s'emparent de Brest et de sa base sous-marine. Comme dans d'autres ports de l'Atlantique, Hitler décide de transformer celle de Saint-Nazaire en forteresse terrestre. La base est renforcée pour soutenir des combats prolongés. Ses ateliers, qui servent à entretenir des sous-marins, sont reconvertis dans ce but. Les Alliés, soucieux d'arriver à Berlin le plus vite possible, décide de ne pas attaquer les bases sous-marines. Ainsi se créent différentes poches, dont celle de Saint-Nazaire. De septembre 1944 à mai 1945, 100 000 civils vont rester coupés de la France qui se libère, sans possibilité de sortir, de s'informer ou de s'approvisionner. À partir du moment quand la poche est fermée, on dit bon, faut faire avec, on est enfermé, on ne peut plus sortir. Il faut attendre les événements, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est une affaire politique entre les Américains et les Allemands. Si ça n'a pas passé quelque chose, ça aurait fait des dégâts énormes, énormes. Parce que nous, on était 35 000 hommes armés, au repos pendant un an, bien, physiquement bien en forme. Si il y a eu quelque chose de côté français, côté américain, ça aurait fait des dégâts énormes des deux côtés, parce que nous, on ne serait pas laissé faire, parce qu'on pouvait pas sortir. Maurice Brosseau s'échappe de Saint-Nazaire, entre dans la résistance et se retrouve sur la frontière de la poche. Eh bien, on était à poste fixe, nous, dans les tranchées, on avait des casemates. Et puis les Allemands étaient de l'autre côté du canal. Alors, quelquefois, ils venaient en patrouille chez nous, parce qu'il y avait des fermes qui étaient abandonnées entre les lignes. Et il y avait du ravitaillement, il restait des poulets, il restait des gens qui étaient partis à toute vitesse. Alors, ils venaient au radio, puis nous, on les attendait. Puis quelquefois, c'était échange de coups entre eux et nous, puis... Et puis voilà. Puis ça bagarrait, traverser le canal. J'ai traversé le canal dans sa brèche à coups de mitraillette aux fesses. Heureusement que les Gaulois nazériens m'avaient appris nager. Dans la poche, un journal hebdomadaire, Die Festung,
est entièrement consacrée aux soldats allemands qui célèbrent la fidélité au Führer et leur donnent des nouvelles de leurs camarades présents sur d'autres théâtres d'opération. Un avion fait presque tous les jours la liaison avec une Allemagne à feu et à sang. À Saint-Nazaire, les soldats sont plutôt au calme et disposent de vivre pour 3 ans. Am Weihnachtsabend standen die deutschen Besatzungen im Sprechfunkverkehr mit der Heimat. Aus Saint-Nazaire übermittelten der Kommandant der Festung und der Marinebefehlshaber die Grüße ihrer Besatzungen an die Heimat. Im gleichen Standort bereiten deutsche Schwestern eine Festüberraschung vor. Ein Weihnachtsgruß aus Saint-Nazaire. La base sert une dernière fois au U-Boat. En février 1945, l'U-275 arrive à Saint-Nazaire pour des réparations et pour installer le premier Schnorchel. Le Schnorchel est un tube qui évacue les gaz d'échappement des moteurs diesel et apporte de l'air extérieur au sous-marin à une profondeur où ils sont très difficiles à détecter. Mais ce progrès technologique, comme les sous-marins de type 21, beaucoup plus rapides et capables d'échapper aux recherches des Alliés, arrive trop tard pour sauver l'Allemagne. Le 11 mai 1945, soit 3 jours après la capitulation de la Wehrmacht, le général-lieutenant Jung, commandant des troupes allemandes dans la poche, se rend aux Américains à Bouvron. C'est ainsi que Saint-Nazaire est officiellement la dernière ville libérée en Europe. Le 15 mai 1945, De Gaulle peut annoncer à l'Assemblée nationale « La victoire est aux dimensions de la guerre. Il fallait donc que la victoire fut une victoire totale, cela est fait. En tant qu'État, en tant que puissance, en tant que doctrine, le Reich allemand est complètement détruit. » Karl Dönitz est arrêté le 23 mai 1945 avec Albert Speer et le général Jodl, numéro 2 du grand état-major de la Wehrmacht. Ils sont traduits devant le tribunal international militaire de Nuremberg avec 22 autres accusés. Le 1er octobre 1946, le tribunal rend son jugement. Albert Speer est condamné à 20 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Karl Dönitz est condamné à 10 ans de prison pour préparation d'une guerre d'agression. Il est aussi reconnu coupable de crimes de guerre pour n'avoir pas respecté, à compter de décembre 1942, les conventions internationales sur le secours aux naufragés. Mais le tribunal ne lui inflige aucune peine pour ce motif, parce qu'en juin 1940, les Anglais avaient décidé, autour de leur côte, de ne pas respecter ces règles, tout comme les Américains durant la guerre dans le Pacifique. La paix revenue, la base reste au cœur de la ville, une architecture qui pose encore question. Que faire de ces vestiges dans une société qui privilégie l'environnement, le cadre de vie, la douceur, les loisirs, le développement durable, alors que toutes ces bases représentent exactement le contraire, l'agression, une industrie et une technologie tout à fait spectaculaire et impitoyable, une dimension militaire dont on a perdu potentiellement la mémoire, et des buts de société totalement incompatibles avec la dignité et le respect des droits de l'homme. Après la guerre, la base sert à construire des dragueurs de mines et à héberger des bateaux de plaisance avant de connaître une longue période de dégradation. Depuis le début des années 1990, les alvéoles 1 à 5 accueillent une usine de soja. Aujourd'hui, les recherches continuent pour lui donner un rôle dans le cadre d'un vaste projet de réaménagement urbain, d'animation commerciale et de création culturelle. L'alvéole 6 héberge le musée sur les paquebots transatlantiques. L'alvéole 14 accueille des expositions contemporaines et la scène rock. Maurice Brosseau, engagé dans les FFI, les forces françaises de l'intérieur,
a reçu la médaille commémorative pour son engagement. Roger Salé a rejoint la résistance à Saint-Nazaire en 1944. Roger Hervé s'est embarqué comme mécanicien de marine sur le Montcalm pour se battre aux côtés des Alliés. Hugo Mingui a été arrêté par la Gestapo en septembre 1943 et libéré à la fin de la guerre. Antonio Génier est resté vivre en France. Après deux procès, il réussit à se faire indemniser par la République fédérale d'Allemagne. Jan Kanke est resté vivre en France près de Saint-Nazaire, où il a épousé une Française.